Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée L'Aragon est dans la place. Nous étions en guerre contre le pape, ça se passait relativement bien. Étonnant, hein. On a un peu l'objectif de guerre. Après on pourra bientôt faire sortir la Bretagne, je pense que ça sera rapide. On va faire une université encore une fois. Voilà. 7%. Ouais, moins 7%, c'est dommage. Bon, allez, t'as combien de canons? On a 6. Et actuellement, on est à plus 5. On est au max ou pas? Ouais, parce qu'on a 20 canons. On est à plus 5. Ok. Ça se passe comment, Ottoman? Ouais, tu t'es fait un peu bouffer, hein. Ouais, bon, là, ce serait bien qu'ils fassent quelque chose, nos amis, hein, quand même. Bon, Nantes, quand ça sera prêt, on pourra le sortir rapidement, je pense. Salut, on est en guerre contre toi? Oh, cool! Est-ce qu'on pourrait faire un truc avec nos ordres? Ouais, on pourra bientôt les... Ah, même pas, hein. Toi, t'évolueras pas plus. ~7%, c'est pas énorme hein, quand même. On continue à convertir encore une fois. Allez, 21%, on y croit, il y a 3 brèches. Non, ça tient pas. 28%. ~42%, tant pis. Évidemment, on a perdu un général. Évidemment, c'était le général de siège à tous les coups. Bon, on va voir si ça tombe là. Non, ça tombe pas, donc on va ramener un général. Un général qui a du siège. Voilà, 2 de siège, ça va nous aider. Voilà, 64%. Conversion continue. Voilà, parfait. Alors là, c'est quoi? C'est un terrain plat. On va prendre notre meilleur commandant, qui est celui-ci. Je pense qu'on peut y aller comme des bourrins. Ah non, on revient! Alors, on va ramener notre troupe. On peut amener quelqu'un à la guerre. La France. Non, c'est bon. Hop, casse-toi. Voilà. Mec, tu me saoules avec tes guerres dans le Nouveau Monde, là, en fait. Tu me saoules. Bon, là, on peut y aller comme des bourrins aussi. Voilà. On va récupérer les miettes, là. Hop là. Ah, peut-être le stack wipe. Oh oui, 2 stack wipe en or, c'est magnifique. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Comme ça, l'Italie pourrait être neutre. Voilà, et toi tu vas aller là, comme ça tu ne te laisses même pas le temps de te renforcer. Voilà. Allons là-bas. Non. On va directement aller à Saluse. Voilà. Voilà, comme ça le pape, on n'en parle plus. Bologne, on s'en fout. On va aller là-bas. T'as combien de sièges? J'aurais bien voulu. Ouais, bah c'est pas grave, allez, go. Là, on va péter, parce que je sais pas que ça va faire. La Bretagne, tu veux la paix. Tiens donc. Ah oui, bah je veux bien que tu me fasses la paix, alors, ok. Alors, Bretagne, qu'est-ce que je veux? Tu vas me... Réparation de guerre. Piège de la capitale. Transfert de puissance commerciale, ta thune. Et pas toute ta thune. Ouais, bon, pour 200 balles. Hein. Voilà. Et négocier pour eux uniquement. Ok, merci beaucoup. Ensuite,
Là, ça, on peut gagner, on le gagne bientôt le missionnaire? Non. On va payer, 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 payer. Voilà. Comme ça, nous avons un diplomate, un missionnaire en plus, normalement. Monument de Al-Qul. La construction, non, elle était. D'accord, ok. 22 prestige et modifie du coup de la stabilité. Très bien. Et là, normalement, on a gagné un diplôme gratos. Parfait. Bon, on va rester ici. On va se split. On va aller là-bas. On va dégommer la flotte ici. Il reste qui à bouffer? Saluse, Bologne et Salzbourg. Ok. On gagne de l'argent ou pas? Ouais. Ouais, un peu moins qu'avant quand même. Hein. Voilà, on va aller au Toulonnais et on va aller là-bas. France, tu me saoules. Tu me saoules avec tes guerres là. Prends le mec qui a deux de siège, je pense que ça va t'aider. Peut-être avec la Russie et la Roumélie à expirer. Voilà, ça c'est fait. Et on peut aller là. Alors on a pris Saluz. Alors Saluz, c'était à nous. Donc on prend. Go. Coalition. Ouais, mais je m'en fous. Allez, ta thune par contre. Et pour eux uniquement, il n'existe plus. Merci beaucoup, au revoir. Tac, tac, tac. On légitime. Attendez. Il y a l'instit qui a pété là ou quoi? Ouais, les lumières et l'industrialisation, non, pas encore. Mais d'accord. Du coup, on va faire ça. Hop. Commerce, on a le commerce du vin maintenant. Dans un agitation dans le pays, pourvu que ça dure. Ok. Alors, moi ce que je veux. Ça passe. Ça passe. On aurait Rome et on lirait le nord et le sud de l'Italie. Et le pape t'existe plus, quoi. Après, on peut. Salzbourg, t'es où? Oh, t'es là-bas. On peut y aller à Salzbourg ou pas? Oh, pff, ouais, mais la flemme, honnêtement. Voilà, à Sienne. Tiens, Bologne. P, ta thune. Warep. On va t'imposer la religion, réparation de guerre, transfert. Merci, au revoir. Voilà, hop. Et avec le pape, une fois que tu seras revenu. Centralisation porte ses fruits, gain de. Ouah, nickel. Hop, hop. Et du coup, on devient le nouveau pape. Tout ça. Et la surexpansion, franchement, c'est gérable à 200%. Et toute ta thune. Le pape, de toute façon, t'existera plus. Voilà. Là. On va voir. On va pas trop nous aimer, mais bon, hein, écoutez. Go. Ça coûte 300. Bam. Voilà, c'était sympa. Papoté a servi, ouais, tu m'étonnes. Hop. Hop, 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 hop. Voilà qui est fait. Ensuite, on a. Une mission, c'était humilier la Provence. Voilà. Et envahir l'Occitanie. Ouais, bon, voilà, on n'y est pas encore. Ok. On continue de convertir. On a les points. Le pape. On va prendre un. On va prendre ça, et on va prendre ça, et on va prendre ça. Pour calmer un peu le jeu avec tout le monde. On va prendre un de nos diplomates qui glande pour aller dans les. Ok. Alors, toi, ottoman. On entrera jusqu'à quand avec toi? Jusqu'en 5. Ouais, bah. C'est quoi? On va te calmer tes marchands. Voilà, comme ça. Plaise. Ensuite, on va aller dans les pays outragés. Dans nos alliés. Ouais, papoté a servi. On a le modificateur, c'est dommage. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Et on va faire maintenant. Les bourgeois, on va faire ça.
Si on peut faire un truc, Aragon dispose de son commun dans le golfe de Venise. Hein, on n'y est pas encore, c'est dommage. Ou alors... Celui-ci serait pas mal. Sienne est de foi catholique. Quoi? Sienne, c'est de foi catholique? Je comprends pas. Ah, Sienne, la ville... Oui, d'accord, ok. Bah, Sienne, c'est parfait. On fait ça, on déclare la guerre. Voilà. Bon, par contre, on va rien pouvoir légitimer, donc on va attendre un peu. Évidemment. Je pense que dans le golfe de... Voilà. Ah, alors, perte de 1 en stab. Ok, Rome reçoit, leur revient de droit. Non. Jamais nous ne soutiendrons un tel état. Voilà. On perd en stab, c'est pas grave. Désastre imminent. Parce qu'il nous faut 3 de stab, c'est ça? Voilà, maintenant on a 3 de stab et tu me fous la paix. Du coup, le pape, il est où? Il est normalement, le pape, il remigre dans un autre évêché. État pontifico. Ah non, il n'existe plus. RIP. Si, il est là. Il est où? État pontifico, c'est nous alors. Bon, d'accord. Pourquoi pas, après tout, hein. On va attendre. Là, bien sûr, on va faire l'état de Rome. Je pense que c'est utile. Là, je pense qu'on peut se split un coup. Est-ce que là, on pourrait faire un truc pour récupérer un peu plus de puissance? Ils feraient la gueule, les bourgeois. Hein. Parce qu'on peut pas. Parce qu'on est pas en guerre. Et ben voilà, ça s'est réglé. Merci encore. L'effet du... Le pape dans le Saint-Empire. Le pape, il est dans le Saint-Empire maintenant. Il est où? Qui a choisi de mettre le... Il est là, le pape. Coucou, le pape. Ça va... Oh, allez. C'était une blague, gros. T'inquiète. On va se regrouper. Ça va être notre nouvelle flotte commerciale à Constantinople. Tu te replies au port et on va faire plein de bateaux. On est à fond dans les bateaux, ok. Ça, c'est notre nouvelle galère qu'on va remettre là-bas et là-bas. Tu vas te regrouper et tu vas t'améliorer. Voilà. Et toi, tu vas t'améliorer aussi. Et toi, tu vas protéger le commerce à Constantinople. Tu te replies au port. Voilà, nickel, nickel, nickel. Alors on continue de convertir, on est pas mal. Là on n'a pas trop le choix d'attendre. Oh, 32 000 hommes ici qui... Ouais, d'accord, merci beaucoup. Hop là. Est-ce que là c'est un état intéressant? On l'a déjà étatisé, on a étatisé ça, ça. Voilà, très bien. On convertit à tour de bras. Ah, c'était pas gagné, hein. Ah, on connaît plus les effets du pape. Et notre maître instructeur est mort. Ça, c'est une triste nouvelle. Bam, 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 bam. Allez, on recycle à max. La discipline plus 5, je prends. Et la discipline de haut niveau, je prends également. On va arrêter... Non, ouais, on va prendre ça. Oui, d'accord, ok. Ça ne m'intéresse que nullement. Bon, ta guerre, là, elle commence à me saouler, frère.
Ah, oui, ça c'était les deux galères. Et ça c'était la flotte. Voilà. Ok, on est bon pour la flotte. La France, tu veux... Non, non, tu me saoules en fait, France. Les lumières. Évidemment, ça change pas. C'est pas chez nous. La France, non. Les légitimations, oui. Non, annulé, oui. Et on va prendre les techs tout de suite. Ça a paru où? Au Wittusbourg. Eh ben, comme quoi. Ils ont dû construire une université il y a 20 ans. Deux par mois, trois par mois. On va faire un inédit d'accroissement. De la modernisation. Ça paraît où d'autre? Ça vaut le coup ici ou pas? Un par mois. Ouais, gêne, ça pourrait être utile. Croissement. Tunis, c'était utile ou pas? Non, c'était pas utile. Tlemcen, c'était pas utile. Grenade, c'était pas utile. Tanger, Rabat, non. C'était pas utile. Le Caire, peut-être, là, ça peut... Ouais, bof. Alexandrie? Non, même pas. Constantinople? Non, à côté, peut-être? Ouais. Bon, on attendra. De toute façon, ça va être assez rapide, je pense. On va prendre ça, hein, pour être tranquille. Voilà. Ça nous permet de faire les citadelles, les machins. Et on a des bateaux améliorés, je suppose, maintenant. C'est quoi, les bateaux améliorés? 16 navires, c'est les galères. Ok. Est-ce que les navires de transport sont améliorés? Les navires là sont améliorés? Non. Ok. Lassitude de guerre, ok. Nickel. Et là, je pense que ça augmente encore plus rapidement, étant donné qu'on a passé la tech. Voilà, 3 par mois. On va continuer de convertir, bien sûr. Ok. Ok. Du coup, j'aimerais bien que ça se termine, ça. Ça, on va regrouper. Oh, la France, tu me saoules. Non, je refuse. Voilà, ça me saoule. France, tu m'as gavé. On va avoir marre d'être en guerre toutes les quatre matins là. Sachant que la France va être un de nos gros problèmes, quitte à ce qu'on les rivalise, je pense, au bout d'un moment. Et là, on peut faire ça, et là, on va se gaver de ouf. Hop, hop. Voilà. Est-ce que notre limite navale est atteinte? Non, pas encore. Gagnons de l'inflation. On améliore toujours nos relations avec le pape. On peut prendre une dernière aptitude d'air. Bon, voilà, on peut prendre celle-là. Ah oui, on avait dit qu'un jour peut-être on ferait une guerre de... Mais Portugal, t'es où en fait? Juste Portugal, t'es où? Ah, t'as Rio de la Plata. C'est vrai que... On pourrait dire dans l'optique du colonialisme. Ouais. Ouais, franchement, on fait ri... Ouais, on a l'isthme de Panama, ouais, d'accord, super. Après, les Antilles, ça m'aiderait, mais les Indes, ça serait gourmand quand même. En termes de flotte. Voilà, Salus fait partie de nous. Continue de convertir. Voilà, on a bientôt terminé. Le pape, ça sera bientôt réglé. Attendez, je regarde juste parce que le timer, bien évidemment. Non, c'est bon. J'ai rien dit, j'étais mis 10 ans, une fois de plus. En termes de bateau, ouais, on peut faire peut-être un navire en plus ici. Voilà. Allez, Provence. Ok, nickel. C'est un état tout ça, je pense. Ouais, c'est un bel état en plus. Une fois qu'on aura Rome, je pense que la question ne se posera plus. Et voilà, joyeux Noël, on a Rome. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et on a ces trucs. Ça, c'est nickel.
Et ça, bah ouais, je sais, mais les bourges. Leur mission, c'est la mission de quoi? D'éclair, ouais. Pourrait faire ça. Il ferait la gueule, hein, il sera à 20. Ouais, mais après, ça va remonter. Allez, pas grave. Allez, particulariste à Malte. Ok. À Palerme, à Agadir, à Marrakech, à Sidon, à Jaffa. Ok. Allez, là-bas. Là-bas. Ensuite, on en a un là-bas. On peut y aller, on y va. Là-bas aussi, on va aller à Jaffa et à machin. Ok. Je pense que l'état de Rome, oui. Hein. Voilà. Pas de doute à avoir. L'état là des Abruzzes. Pas mal, ouais. Bon, ici par contre les forts Sienne, aucun intérêt. Celui-ci, alors celui de Rome on va le garder, je pense. Celui de Parme aussi. Ceux-là on les garde, Damas et ça, Alep, ça verrouille bien la zone. Celui-ci verrouille la zone de rien du tout, donc il dégage. Celui-ci il dégage aussi. Celui de Corfou, honnêtement, voilà. Ok, oui, je sais, 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 je sais. Voilà. On va aller là-bas. Est-ce que là. Ouais, là, on va juste. Non, ça, c'est même. Ouais, on reste dessus si tu veux. Hop. Alors, une idée en prière. Nous en gagnons de la puissance diplomatique. Voilà, et on va aller à Malte avec toute l'armée. Hop. Le 24, on prend. Chambre des comptes ou commerce peut-être. Commerce à Nice, on prend. Chambre des comptes, on peut pas encore. Et on va faire la dernière. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre une culture en avant parce qu'on a beaucoup de points? J'aimerais bien mettre une culture en avant. Hop, non, c'est ici. Ouais, la culture là, on va la mettre en avant. Hop là. Voilà, comme ça on gagnera encore plus de puissance et ça sera mieux. Écoute, on va faire ça. Donc là, on a un coup des doctrines, les clercs gagnent 15 et ça 20 chevets. Ouais, c'est pas mal tout ça quand même, hein. Et notre limite terrestre, elle a augmenté de facto ou pas? Oui, on peut en faire 40 de plus. Oh la vache. Ok, bon, bah 40 de plus. Allez, je me fais 10 canons déjà. Bah, allez, 12 canons vendus. Notre frontline, elle a combien? Elle est à 38 maintenant, la frontline. Ah, 38. Ça fait 16, 34. 38, on est bon. C'est 18 qu'on doit passer, c'est ça le calcul que je voulais faire. 18, voilà. C'est quoi d'autre le truc qu'on a? C'est ici, 18. 10. Non, on n'a pas assez d'argent, dommage. Dix-huit. Dernière armée à Malte, tu vas aller à là, ici, toi en attendant. Voilà. Hop et hop. Et toi, tu vas passer à 18. Voilà. Toi, t'as 23 seulement. 18 maintenant. Et toi, 18. Voilà. Ça va nous coûter plus cher, je sais, mais bon, comme ça, là, on a une belle grosse armée comme il faut. On va le faire revenir. On a combien dans cette zone? Non, on est pas trop mal. On pourrait être plus, hein, parce que Milan, t'as combien de def pour nous piquer autant? 40.
Ah, mais il y a Florence aussi. On va attendre. Après, il y a la guerre contre l'Ottoman. Surtout qu'on a des revendications dessus, je pense. Ouais, on a tout un tas de revendications. Donc, ça serait bête de pas en profiter. La République des deux nations est formée. Ah, bah, ça aura mis le temps, hein. Ça aura clairement mis le temps. Hein. En termes de. On a moins 5. La Provence, c'est dans 20 ans. Ça, c'est dans 40 ans. Ouais, bah, donc on est bon. C'est juste les bourgeois, ils nous font un peu la tronche. Bon. Ça va augmenter, hein, vous inquiétez pas. En termes d'institutions, on se situe où nous maintenant? Il n'y a rien qui a été adopté encore. Hein. Bon, ça ne saurait tarder, ceci, tant mieux. Bon, on va redévelopper le pays un coup. Voilà. Parce qu'en limite terrestre, on est bon là. On peut en faire 6 de plus. Et ben, ça sera 6 canons. Je monte à machin. Voilà, 15 canons. Ouais, bon, bah j'accepte. Voilà. C'est vrai que l'IA maintenant avec ses casus. Oh, mais ça veut dire que Venise est à portée de main. Mais on peut pas puisque. Ouais, on se doit se battre contre un des alliés là. Oh, progrès de l'imprimerie, c'est très bien. Est-ce qu'on peut faire une autre. Écoutez, là on gagne suffisamment d'argent. Hein. Ouais, bon, on en a en plus, c'est pas grave. Peut-être les bateaux là maintenant, on peut peut-être les améliorer un peu. Peut-être monter à 10 là. Voilà. Elle a monté à. 20 galères, bon 21 galères si tu veux, on va en retirer une. Voilà. 21 galères, on est pas mal. On va faire ça aussi. Autant augmenter notre capacité de gouvernance au max. Et là, il va peut-être être grand temps de trouver un nouveau rival, bah, un nouveau allié. Après, honnêtement, vu le DAF qu'on a, j'ai pas trop trop peur. Hein. L'Autriche, tu es passé, si tu veux. Après, on a l'objectif Sienne aussi. Ça pourrait être rapide et efficace. On fait revenir toutes nos troupes du sud de l'Italie. Plus un stack qui est. On a que ça en stack. On a 38 hommes là. 36. 36. 35. Ouais, bah je pense qu'avec tout ça, ça devrait aller. Hein. On va faire un réseau d'espionnage ancienne. Constituer un réseau d'espionnage, voilà. Là, on pourrait. Ouais, on va le faire ça. On récupère plus rapidement nos réserves militaires comme ça. Ouais, bon, on rejoue. C'est pas grave. On a des trucs qui sont. Oh. Bouh. Voilà. Écoutez, on va se
On a perdu un général, ça m'attriste toujours quand ça arrive. Voilà, toi tu vas là-bas. Et là, on va recruter des généraux. Du moins un général. On peut pas encore, tant pis. Ok. Bon là, ce sera pour attaquer Sienne, clairement. Qui est en guerre déjà contre... Non. Mais par contre, ça, oui. Déclarer la guerre. Dans l'objectif de l'impérialisme. Savoie, je m'en fous. Autriche, un intérêt de te déclarer. Non, pas. On n'a pas de diplomate à envoyer. Ouais, reviens. Hop. Donc si on met Salzbourg, ça fait beaucoup. Si on met l'Autriche, ça fait encore plus beaucoup. Si on met Ingo, tu ranges, ok. Si on met la Savoie, c'est beaucoup. Ok. Bah écoutez, go. Hein. Voilà, on va aller à Arenzo et on va aller avec... C'est qui a le plus de sièges dans nos... Personne. Eh bah c'est pas grave, ce sera lui. Et toi tu vas rester là. Comme d'hab, en embuscade, là, on va péter un coup, parce que là, ça coûte cher. Ok, là, nous avons l'armée autrichienne. On va leur dire bonjour. Voilà, cassez-vous. On pourrait déclarer la guerre sainte. Ouais, on va le faire, ça, écoutez. Le pape, on gagne combien avec eux? On aurait gagné 10 par mois, c'est faible. Hein. En même temps, on a servi Rome. Un peu normal, que les gens ne nous aiment pas trop. On se fait coaliser, là. Ok. Ouais, vas-y, c'est pas grave. On va y aller. Alors, Tunis, t'as rejoint la coalition contre nous. On a qui dans la coalition contre nous, du coup? On a que... D'accord, on a... Et c'est qui le chef de coalition? Ouais, bon, honnêtement... À prendre un mec qui nous fasse de la répute diplomatique, voilà, hop, on aura un peu plus le jeu. Alep, ouais, on va prendre celui-là. Ça donne quoi l'instit? On a encore le temps, hein, mais ouais, bon, voilà. Ça va nous coûter rush, hein, par contre. Tunis, t'en es où? Ouais, lentement, mais très pas du tout sûrement. Damas, peut-être? Alep? C'est dommage qu'on ait pas d'institution ici, quoi. À la rigueur, ce que je pourrais créer, c'est une université juste là. Voilà. Athènes, ça donne quoi? Athènes, c'est lentement, mais sûrement aussi. Ok. 28%. On pourrait aller aider avec un mec là. Surtout qu'on va ramener des canons. Voilà, 7%. Voilà, on a emporté Florence. C'était rapide et indolore, encore une fois. Et on guerre contre qui d'autre? L'Autriche, Brandebourg, Ferrare. Ah bah Ferrare, tiens donc. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement, Ferrare. Alors, carrière dans l'armée. On peut pas se le permettre, hein, ça. Bon, allez, d'être professionnalisme, c'est pas grave. Comme ça, ça nous permet, ceci étant dit, d'avancer tranquillement là-dessus. Dans le militarisme. Le professionnalisme, pardon.
Une construite en... Ouais, bon, voilà. Je pense que ça devrait être bon dans pas longtemps. Les grands projets Sainte-Sophie. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Parce qu'on a ça aussi qu'on n'a pas amélioré. Ça c'est... D'accord, on a remporté Ferrare, on est trop beau, d'accord. Ça c'est réputation diplomatique plus 1. Ouais, ça nous serait quand même pas mal utile aussi. Bon, après on gagne beaucoup d'argent. On gagne tellement d'argent qu'on peut même se prendre le luxe de faire... Voilà, 700 en plus. Ah, bam, 4000. Ça coûte 5000. Après, on peut prendre Hagia Sophie. Ah, mais on peut pas le faire en guerre, peut-être? Ah non, il y a une université qui est en cours. Ok. Après, Ferrare, on peut les bouffer. Hein. Une coalition, par contre, là. Ah, là, ça commence à chiffrer, la coalition. C'est pour ça que... Ah, c'est pour ça qu'on va pas le faire. Et c'est pour ça que on va retirer tous nos trucs. Et on va aller dans les pays outragés à fond. À fond. Et encore une fois à fond. À fond. Non. C'est bon. Voilà. Voilà. On va mettre la blinde. Bon, il y a quand même pas mal de troupes ici. On va se mettre là et là. Parce que concrètement, si on bouffe juste... Ouais. Si on fait le traité de paix pour prendre Sienne et machin. Tac, tac. On se tape une grosse... Même pas! Et si on tente juste le petit ça en plus? Ouais, même ça, c'est gérable comme coalition. Élevage sélectif. Bien joué la France. On a quand même 100 000 hommes là qui débarquent. On va aller à Brescia. Non, alors non, non. On reste là. Bon, c'est pas grave, on va là-bas. On va voir ce que vont faire les alliés. T'es dans une double guerre toujours Autriche, ouais. Après, on peut voir qu'il est à faible. Hein. Berg, t'es à moyen. Demander la paix. Pas encore, mais bon. On ne saurait tarder. Ça donne quoi, l'institution, encore une fois? 6000. Et ça nous fait juste un coup de conversion culturelle. L'Angleterre n'est plus considérée comme une grande puissance. Elle a été détrônée par la Scandinavie. La France a énormément de devs. Hein. Pourrait tenter d'aller percer chez les Autrichiens. On va aller tenter d'aller chez les Autrichiens. Ça leur fera les pieds. La trêve avec l'Ottoman expiré, ouais. Mais on va se calmer un peu. Un tout petit peu, on va se calmer. Toi, un général qui est disponible. Non, oui, ok. Hop. On peut aller en basse Corinthe. Il y a un fort là. Non, il n'y a pas de fort. Ok. Donc on peut aller à Graz. Faire attention qu'on est encore en guerre contre les Russes. On peut aller en Styrie. On peut même tenter Vienne. Avec un mec qui a du siège. T'as le siège, ok, go alors. Prenant Vienne, je pense que ça va un peu les calmer. On peut aller ici, on peut aller là, et on va aller là. Voilà. Bon, ça nous permet au moins de... Ouais, vas-y, occupe des provinces, moi je suis sur ta capitale, frère.
On va se regrouper sur ta capitale pour avoir plus de canons. Oh, ça ne sert à rien, donc on se casse de ta capitale. On va aller là. Est-ce qu'on peut aller là? Non, sans faire le tour. Ah! Ok, on aura une coalition ottomane sur la gueule. Ok. Bon, l'ottoman, honnêtement, me fait moins peur qu'avant. En termes de rivaux. Après, on peut se réallier avec la France. Hein, si besoin se fait sentir. Type avec un mariage royal. Voilà. Hop. Voilà, histoire de nous sécuriser un peu plus la chose. 42% pour Vienne, autant dire que ça va rapidement gicler. Voilà, Vienne s'est remportée. Hop, hop, on va aller là. On va continuer à piller Vienne, par principe. Et go. Voilà. Hop. Autriche, je veux des réparations de guerre. T'abandonnes tes revendications chez moi. Tu me fais un transfert de puissance. De trans... Non, tu vas me donner toute ta thune. Voilà. Tu. Alors, l'Autriche en vassal, ce serait tellement stylé. Mais non. Bah, ça, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, on vire l'Autriche. On les calme. Pour eux uniquement. Ok. Merci, l'Autriche. Et là, du coup, on va retourner à Ferrare. Ici et là. On peut prendre l'institution, honnêtement, il n'y a pas d'intérêt massif à le prendre tout de suite. Honnêtement, je préférerais ça, Jérusalem, c'est EP au max. Hein. Je préférerais presque augmenter soit ça, soit Rome. Rome qui nous donnerait un coup sur les doctrines. Pouvoir des... Saint-Pierre, ce serait pas mal. Ou Constantinople, qui nous donnerait là... Le pape. Plus d'influence dessus, encore une fois. Ou alors... Grenade. Ouais, bah allez, go. Va pour Grenade. Et comme on a des points... On va les utiliser jusqu'à un peu près 100 000. Hop, 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 voilà. Et avec un... Voilà. Ça, il ne reste plus grand chose à faire. Et on aura un truc en plus. Surtout que là, on gagne des troupes, hein, franchement. Alors, dîme généreuse. Non. Non. Oui. On peut prendre une tech. Non, on va attendre un peu. Voilà. Juste pour être tranquille, on va faire ça. Hop. Et hop. Voilà, comme ça, ça sera terminé en octobre. Et on sera bon. Voilà, histoire d'avoir juste un de réputation diplomatique en plus. Ce serait pas mal. Et ça, ça nous donne quoi en plus? Les... Niveau 2, coup des conseillers, doctrine moins 5. Écoutez, on va le faire aussi, ça. Ah! Ouais, bon, ça encore. Tout sachant que Ferrare va être aussi sous... Il faut que ça soit sous notre domination. Ah! La République des Nations cède... Ouais, tu cèdes plein de trucs. Bon, 0 points de faveur, c'est pas grave. Qui est à faible là? Berg, t'es à faible. Berg, tu te casses. Voilà. Ensuite, Ferrare, non. Hollande, on va te laisser pour le moment. De toute façon, nos troupes arrivent. Hein. Ça va aller. Allez, normalement, ça devrait être construit. Le 9. Et voilà, joyeux Noël. Ah, peut-être attendre la fin du mois comme d'habitude. Ah non, il faut attendre encore un an. Oh là là, flemme.
pas envie d'attendre un an. Voilà. Voilà, et comme ça nous fait beaucoup plus de d'aspirateur dépendance, c'est bien. Et là, on pourrait faire celle-ci. Ouais. On a combien d'aspiration à la liberté maintenant? Pas d'aspiration à la liberté, mais de répute de diplôme. Parce qu'on a quand même un gros malus avec papoté asservi, mais ça va. Mais ça va. Laisse-moi deviner. Ouais. Ok. Hormuz s'est retiré de la coalition. Voilà. Comme quoi. Bon, il va y revenir, hein, mais bon. Ferrar. En fait, la paix au global, je voudrais ça. Franchement, ça serait bien. Je suis à deux doigts de l'avoir, quand même. Après, on pourrait vraiment calmer le jeu en allant directement là. Là. Et là. Voilà. Histoire de niquer un peu la Savoie, vite fait, bien fait. Plus, on a une revendication ici. Ouais, ça serait bien ces deux revendications là. On pourrait développer le pays un coup. Avec la même logique, tout ce qui doit passer à 10 passe à 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 voilà, et là on peut voir pour reconstruire des choses encore plus intéressantes, genre ça. C'est peut-être pas recalculé encore, hein. Donc on sera à masse là, voilà. Voilà, mais on continuera cette guerre au prochain épisode. Bon, prochain épisode, on déclare la guerre à l'Ottoman. On fait venir la République des deux nations. Et puis on fonce comme des bourrins dans le pourtour. Ouais. Je pense que c'est gérable. La République des deux nations est impressionnante, hein, dans cette game. Troisième puissance. Ah, ils ont réussi à prendre la tech, les machins, pas mal. Pas mal du tout. Ah. Mince. On peut leur demander ou pas? Ouais. Ouais, tu améliores les relations avec la Castille. Et là, comme ça, notre héritier ne meurt pas et il a péri. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Non. Ah. Et pourquoi on peut pas en trouver un? Bon, après il a 55. Ah, ça m'ennuie qu'il ait mouru. Mais ça coûterait trop cher. On peut juste s'occuper de ça. Mais bon, on verra ça au prochain épisode, écoutez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus, les gens.